Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marc, bienvenue pour ce nouveau Ski Chrono débrief spécial JO. Aujourd'hui, nous allons parler de la descente d'âme avec la victoire de la Suissesse Corinne Sutter devant l'inévitable Sofia Goggia. Voilà Marc, cette descente qui a été retardée d'une petite demi-heure à cause des rafales de vent, finalement elle s'est tenue et ce que tu pressentais déjà avec cette piste, notamment pour les filles, on a vu une belle descente. Oui, une très belle descente. Pilou, Jean-Philippe Buillet a pris une bonne décision de décaler 30 minutes. Et puis moi, j'ai trouvé un beau spectacle. Les filles se sont sacrément bien engagées. Alors, il y a eu des petites variantes au niveau de la luminosité. On a vu hein, sur la partie entrée de Goulet où de temps en temps, il y en a qui ont pu avoir un peu plus de chance que d'autres, mais ça fait partie, encore une fois, de notre sport. Mais en tout cas, une magnifique, magnifique victoire de Corinne, les Suisses. Et à chaque fois, j'en parle depuis le début. Alors là, oh là là, quel résultat d'équipe encore aujourd'hui. Ouais, c'est ce que tu me dis depuis, ça fait maintenant une semaine que tu me parles des Suisses. Alors, on a eu les garçons, on a déjà eu Lara Goute, et là maintenant on a Corinne Sutter, bon, qui est peut-être pas un grand nom ronflant, mais qui est quand même des championnes du monde en titre et qui a fait une grande course une nouvelle fois. Ouais, elle a fait, je crois qu'elle a fait sa descente, la descente d'un jour, la descente quasi parfaite. Elle est là, c'est vrai qu'elle faisait peut-être pas partie des favoris, elle était là, certainement annoncée, mais elle a fait, elle a maîtrisé parfaitement cette descente. Bravo encore une fois à nos amis suisses. À chaque fois, je clap pour les Suisses. Chaque fois, autre équipe en force, l'Italie. Il y a même eu un moment trois Italiennes aux trois premières places. Et on disait en préambule l'inévitable Sofia Goggia. Il y a 3 semaines, elle était en vrac, genou blessé, péroné fissuré. Après, une nouvelle gamelle à Cortina due à son engagement. Elle disait être au départ, c'est déjà une victoire. Là, les médailles d'argent, elle était même vexée, agacée de pas avoir gagné. Bon, je pense qu'elle doit être contente d'être médaillée d'argent. C'est déjà, enfin, je pense qu'on peut parler d'exploit là aussi, hein. Oui, revenir aussi rapidement, être là, présente, pas avoir skié pendant pas mal de temps, se remettre pour une épreuve olympique. Certes, tu as le mental, tu as tout ce qu'il faut, mais tu te mets aussi vite la pression. Elle a pu retrouver des sensations correctes lors des entraînements. Et puis aujourd'hui, peut-être que dans son engagement, elle peut se reprocher d'avoir fait ces deux, trois fautes qui, à mon avis, lui ont coûté véritablement la victoire. Si on pouvait faire une analyse, le pourquoi deuxième. Mais je pense qu'il y a 3 semaines, comme tu l'as dit, si on avait dit tu vas aller au JO et en plus tu vas nous faire une médaille, je pense qu'elle aurait signé tout de suite en bas de la page. Ouais, les Françaises, Laura Gauchet 10e, on va dire. Alors évidemment, on rêve toujours d'une médaille. Elle la première, 10e. Elle est dans ses standards très 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 haut. Elle fait sa meilleure descente de l'année au bon moment. C'est plutôt une bonne performance, hein. Oui, très content pour la petite Laura, encore plus content aussi content pour le papa qui était devant son écran de télé certainement à Tignes. Oui, Laura qui fait sa meilleure descente et je crois qu'on l'a vu à l'arrivée, très satisfaite. Dixième, c'est pareil. Je crois qu'elle monte aussi crescendo et ça met du temps, notre équipe de vitesse. Et là, Laura, aujourd'hui, a sorti, j'ai trouvé, contrairement au Super G, vraiment, elle s'est vraiment engagée, elle avait des lignes tendues au moment où il y avait une nécessité d'avoir des lignes tendues. J'ai trouvé une fille beaucoup plus engagée, beaucoup plus posée sur ses skis et qui mérite amplement cette 10e place. Ouais, juste derrière, Roman était un petit peu déçu. On l'a même vu en larmes de ne pas avoir su répondre présente le jour J. Il lui a manqué un petit truc. Un peu dans tous les compartiments du jeu, il lui a manqué un petit truc. Oui, il lui a manqué en termes peut-être d'engagement ou peut-être même des fois de surengagement, c'est-à-dire être trop trop dur sur la carte. Et puis de temps en temps, des petites erreurs de ligne, elle s'est fait un petit peu secouer à certains endroits. Bon, c'est 1 minute 30 de course, et ben, elle a essayé, c'est vrai qu'elle a des raisons d'être
déçu. Une 11e place, peut-être, ne lui correspond pas tout à fait. Mais en tout cas, bon, les filles sont là, 10 et 11. Il y aura du travail, hein, c'est comme tout. Les courses d'un jour aussi. Mais voilà, c'est la dure loi du sport. Ouais, en parlant de dure loi du sport et de la vitesse, un petit mot sur Camille Cerutti, premier JO, parti à plat ventre et parti à la faute ensuite. Elle termine dans les filets. On a entendu des cris. Vraiment, c'était glaçant. Au cœur de la nuit ici, c'était glaçant. Ben c'est la dure loi de la descente. Hein. Oui, oui, de toute façon, l'erreur pardonne pas. J'espère que ça valait pour elle. C'était sa première. Elle a aussi tout tenté. Elle a, comme on dit, elle a tout lâché. Mais malheureusement, elle a fini dans les filets. Et c'est, comme tu dis, hein, c'est jamais des belles images. C'est jamais des images réjouissantes de voir finir dans les filets avec des cris. Bon, on espère qu'elle va. Ça va pas être trop, trop grave. Voilà, donc à Rizoul là-bas, tu sais, ma sœur est de Rizoul, et c'est la présidente du club. Donc, je d'accord. Pense qu'ils étaient tous déçus aussi de la petite Camille. Mais bon, on l'était nous aussi. Ok, Marc, avant de te souhaiter une bonne journée, sur les skis, demain, le slalom homme, deux Français, deux chances, on va dire, de médailles, surtout une avec Clément Noël. S'il est dans un bon jour et dans un grand jour, il peut clairement jouer le titre. Six slaloms de Coupe du Monde cette année, six vainqueurs différents, dont Clément, et il y aura aussi Alexis, qui doit se remettre un petit peu de ses déboires de début de JO. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je vais te demander un pronostic. Si tu en as un, c'est plus facile pour ça. Alors, j'ai eu aussi des informations de la part sur les qualités de neige. Et bon, aujourd'hui, on a vu que c'était de nouveau des températures polaires. Mais jusqu'à hier, ça avait un peu changé. C'était plus chaud. Yul, Philippe Petitjean, que j'ai eu au téléphone hier, m'avait expliqué les conditions qu'ils avaient eues lors du géant. Les neiges étaient là-bas très, très verglacées. Dessous, c'était très, très verglacé. Surtout sur la première, surtout sur la, avec le cumul de neige qu'il y avait eu dessus. Et donc, ils avaient des skis relativement affûtés, très, très affûtés, notamment du 86-05. C'est quand même des affûtages extrêmes. Voilà, ça, c'est le petit détail technique pour la neige. En attendant, ton pronostic. Moi, je vois. Alors, si tu me dis que la neige est peut-être plus glacée, mais moi, je voyais bien sur ce genre de rendez-vous fausse sur les vagues. Que je vois bien en place, Clément Noël, s'il est dans un bon jour, et honnêtement, une petite pièce sur Manu Feller. Manuel Feller, le plus dur pour lui, c'est d'aller en bas. S'il va en bas, il sera très vite. Bon, bah alors moi, je vais mettre Clément Noël. Clément d'accord. Noël. Et oui, Clément Noël, Manu Feller. Et puis le troisième, il y a quand même des sacrés clients au départ là. Ah, j'en ai oublié. Hein. Non, on en oublie toujours un petit peu sur ces pistes-là. Sincèrement, le troisième. Est-ce qu'on va mettre un Suisse? Je sais pas trop. On va peut-être pas mettre un Suisse. Je vais les décevoir aujourd'hui, mais allez, je vais mettre troisième. Troisième. Je vais mettre le Suédois. Jacobsen. Alors pareil, il faudra qu'il aille en bas. Hein. Ok. Bon. Très bien, Marc. Merci à toi. Bonne journée sur les skis. La neige est tombée. Tu vas pouvoir te régaler. Régalez-vous tous. Oui, je pense qu'il y a un peu de poudreuse aujourd'hui, un peu partout. Visibilité pas terrible. Quand ça tombe comme ça, évitez de sortir tout de suite hors piste. C'est quand même pas le plus cool. Attendez que ça stabilise un petit peu. Voilà. Ok, c'était les bons conseils de Marc pour la journée d'aujourd'hui. Et à demain. Allez, à demain. Salut. Salut Emmanuel. Au revoir à tous.